j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo, nouveau vlog numéro 2, je crois, déménagement. Donc là, nous sommes le 5 mars. Donc demain, nous avons la remise des clés. J'ai trop hâte. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas fait un seul carton. On n'a rien fait du tout. Donc là, il faut qu'on commence à se manier. Donc là, en fait, j'ai fini mes partiels. Donc voilà, j'ai fini mercredi hier soir, je suis contente, enfin c'est passé. J'ai mis un petit col et tout en mode écolière, je me suis dit vas-y on se met en mode écolière aujourd'hui Lisa. Alors pourquoi pas, donc en fait c'est un faux col, donc c'est un col qui fait juste ça et voilà, c'est pas une vraie chemise en fait. Ah oui, j'ai fini mon truc là, ma lotion, je suis trop deg parce qu'elle était vraiment très très bien. Je vais peut-être me la racheter, mais d'abord je vais essayer d'utiliser mes autres lotions. Donc celle-là, si vous ne la connaissiez pas, je vous l'ai présentée dans mes vidéos avec YesStyle, donc ça vient de chez YesStyle. Des fois ça se trouve aussi sur Beauté Privée, donc n'hésitez pas à aller checker sur Beauté Privée. Et vraiment très très bien, ça est fait avec du bambou. Ma peau, elle m'a dit merci en quelques jours. Et ensuite j'ai fini mon fameux masque à la coco, donc voilà, ça n'a pas duré longtemps vu que j'en faisais beaucoup des masques. Donc voilà, ça c'est fini, donc je vais le mettre à la poubelle. Et là je vais m'attaquer sur les soins que j'avais achetés, vous savez les botox etc. Vous avez été nombreux à me demander un retour de ça. Là pour l'instant je les ai pas utilisés. Donc là je mets le tonique à la rose de Aromatica. Il est vraiment très bien, il sent super bon. Moi j'aime beaucoup, c'est encore un produit de chez YesStyle. Je les utilise vraiment, hein. C'est pas juste pour la collab ou autre, je les utilise vraiment, je les aime beaucoup. Et franchement j'ai vu une nette différence sur ma peau. Donc en fait tous les autres produits que j'avais, je les ai donnés à mes collègues de travail et tout. Enfin j'en ai donné pas mal, vraiment j'ai fait un énorme tri. Donc là en fait dans mes placards j'ai quasiment plus rien. J'ai fait vraiment un gros tri, vraiment il y en avait beaucoup. J'aime bien les produits de chez YesStyle, les produits coréens. Je pense que j'ai plus me diriger vers des produits coréens maintenant, parce que ma peau elle revit quoi. Enfin je vois une nette différence, elle est beaucoup plus lumineuse, beaucoup moins d'imperfections. Donc bref, je vais me préparer, je vais me maquiller. Enfin me maquiller, je vais mettre juste de l'anti-cerne. D'ailleurs j'ai bientôt fini l'anti-cerne de chez Benefit, là je suis trop dégueu, vraiment bien. Mais bon, c'est comme ça la vie. Et on se retrouve bah, juste après. Bon, voilà ma tête de cacahuète. Bon, il est midi, il faut qu'on se magne le popotin. On doit aller à Leroy Merlin aujourd'hui pour aller chercher un truc pour les chiottes, là, un truc qui fuit. Il faut qu'on l'achète et il faut qu'on répare parce que faut que ça soit réparé au moment où je fais l'état des lieux. On va acheter aussi du truc pour reboucher les trous. Donc je vais prendre, vous savez, les petits tubes au lieu de faire, au lieu de prendre les gros pots là, je sais pas. Et il faut que j'achète des cutters, donc faut que j'y pense à ça. Il faut qu'on regarde aussi les planches pour le bureau. Bon le bureau ça sera pas maintenant, ça va être dans quand même pas mal de temps le bureau. Et on va regarder aussi pour les placards intégrés, pour voir les prix, parce que je sais pas s'ils ont mis des placards. Je vais sortir un petit coup de tuquette, je vais sortir des poubelles aussi. On a tellement, je vous ai pas raconté, on avait tellement de vaisselle à faire. Mais quand je vous dis tellement, c'est qu'il y avait plus rien dans les placards, il y avait plus de couverts, il y avait plus rien. Genre on avait tout laissé à l'abandon comme ça. À cause de mes parcelles j'ai pas eu le temps de nettoyer et tout. Lui il était à fond dans ses trucs d'ordi machin etc. Donc il travaillait aussi beaucoup, parce que on a besoin de money money en ce moment. Et voilà, on s'est laissé aller. La cuisine c'était Bagdad, vraiment Bagdad hein. Donc on a commencé à faire, enfin il a commencé à faire la vaisselle hier. Et il y en a encore un petit peu, donc on a laissé tremper toute la nuit. Mais c'était n'importe quoi, hein, vraiment, vraiment n'importe quoi. Là je vous montre, c'est les cartons qu'on a récupérés chez Franprix. Donc on a des cartons quand même Monster Munch, hein, les gars, c'est pas n'importe lesquels cartons, hein, c'est Monster Munch. Le problème c'est qu'ils sont un peu petits, mais normalement il y a mon beau-père qui m'en a récupéré. Donc je vais pouvoir en avoir des cartons, et c'est des bons cartons puisqu'il m'a pris, donc je suis super contente. Donc voilà, on va commencer à faire les cartons, donc je sais pas trop par où commencer, je vous avoue. Je pense qu'on va commencer peut-être par le meuble TV. On va enlever un maximum toutes mes bougies et tout. Faut qu'on fasse aussi le bureau là derrière. Mais ça va être rapide parce que je pense que je vais laisser dans les commodes les affaires. Et ensuite faut qu'on fasse surtout la cuisine. Faut qu'on fasse un grand tri dans la cuisine de ce qu'on garde, ce qu'on garde pas, les vaisselles etc. J'ai 15 milliards de verres à bière, je ne bois pas de bière. Donc il faut que je fasse un tri, il faut que je vois qui je peux donner. Enfin voilà, faut que je demande autour de moi si quelqu'un veut. J'ai aussi un peu de cosmétiques à donner. Donc sur Vinted, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est Pandapi. Quand vous faites une commande, bah dites-moi que vous êtes abonné à ma chaîne, comme ça je peux vous demander si vous voulez une palette ou des choses comme ça. Parce que j'ai souvent des choses à donner. Et donc je vous montre le produit en fait, si vous voulez ou pas ce produit là, vous me dites oui ou non. Si c'est non, bah je le filerai à quelqu'un d'autre. Si c'est oui, bah je vous l'envoie directement dans le colis. Donc voilà, on a pas mal de choses à faire aussi. On a à faire la bibliothèque. La bibliothèque ça va être quelque chose, mais ça je
Je sais pas si les livres je les fais dans un carton ou dans une valise parce que c'est vrai que c'est assez lourd. Donc voilà, on va faire tout ça. Faut qu'on décroche aussi les choses au mur. Je pense qu'on va faire ça aujourd'hui. Pareil pour là aussi, il faudra qu'on fasse ça aujourd'hui. J'ai un homme fantastique. On se complète bien mon cœur hein. On a réparé les... Enfin, il a réparé les chiottes. Il a dévissé, il a regardé. Il a juste inversé le joint, enfin mis de l'autre côté. Avec les urtes, il se plie. Ouais. Et donc quand tu l'inverses, bah du coup il est plié dans le sens inverse et donc ça appuie plus. Et... Donc là l'eau ne coule plus. Bon allez, on va même se manier. Même des fois je me dis merci papa de m'avoir donné assez de place pour que maman puisse me donner son intelligence. On t'aime beau papa. On t'aime. Au moins ça s'est fait, au moins on est tranquille. Fallait juste inverser le joint. Alors que je suis sûre que si l'agence m'avait facturé ça, ça aurait coûté une blinde. Alors que c'est juste retourner un joint. Donc ça coûte rien. Donc ça au moins c'est fait. Bon, on arrive à Truffaut. On va faire un petit tour dans le magasin. On va regarder aussi les gilets pour Bichette. Les gilets pour Bichette pour le balcon. On va aller à Leroy Merlin. On va faire un petit tour dans le Truffaut pour regarder les petites nouveautés. Je vais vous montrer ce qu'il y a en floristerie. C'est les nouveautés. C'est avec les terrariums. Ils sont pas chers. C'est celui que j'ai eu. Il est vraiment bien. Je vais vous montrer tout ça. Ah, ils ont enlevé des petits. En fait, il y avait ça avec la cloche. Mais la cloche, je pense qu'elle a cassé. Là, c'est les petites cups. Les cups. Trop mignonnes. Ah, ils ont ça. Mais oui, c'est ça qu'elle m'a demandé la dame. Elle m'a demandé pourquoi ça marchait, enfin comment ça marchait et tout. Mais je lui dis, j'en sais rien moi. Bah t'as trois étapes. Ouais, t'as trois étapes. Elle dit, ouais, mon chat il fait toujours pipi par terre. Je me dis, mais. Ah oui, mais il y a eu de la litière en fait. Il y a de la litière. Et en fait, elle a pris ça. En fait, c'est des trucs que tu mets sur les toilettes et ton chat il fait pipi, caca sur tes toilettes. C'est bien en soi. Hein. Bah en gros, de base, tu mets de la litière. Ouais. Tu changes de temps en temps. Après, il y aura de la litière que sur le tour. D'accord. Tu vois, comme ça, en fait, ça s'élargit. Le trou s'élargit. Ah d'accord. Après là il n'y a plus de litière et donc du coup après il chie dans les toilettes. N'empêche c'est bien mais... Bah c'est pratique, le truc c'est que s'il commence à pisser et que t'en as partout sur la cuvette, c'est pas foufou non plus. Ah ouais c'est dégueulasse. Ah ouais, moi je préfère les litières les gars. Hein. Je préfère les litières. Faudrait qu'on reprenne de la litière. Non, pensez pas de litière. Elle est bien. Et là il faisait aussi des arbres à chat. Il est archi beau celui-là. Je pensais le prendre au début, de base il coûte 140€ et il est à 80€ je crois celui-ci. Il est trop beau. Et là t'as le grand, t'as le giga. Là t'as le gigantesque. Donc ça c'est 369€ de base. Après c'est à 258, donc quasiment 100€ en moins. Il est immense. Et là t'en as un autre là. Oh, Bichette tu mets ça là-dedans mais il est fou. Et il y a aussi les Vécaires, donc ça c'est les arbres à chat que j'ai acheté, c'est celui-là. Il est en promotion aussi. Donc celui-là ils sont bien, vraiment ils sont très très bien. Et t'as les petits poufs là, comme ça. Voilà, on est à Leroy Merlin. On est en train de manger à Leroy Merlin. On a pris un petit sandwich, un panini à mourir. On va manger, ensuite on va regarder tout ce qu'il faut boire. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Voilà, mon petit papier. Alors, faut qu'on garde pour du papier bulle, faut qu'on garde pour des cartons, un cutter, un enduit de rebouchage, le dressing, la planche de bureau, les toilettes. T'aimes pas là-bas? Je sais pas. En fait, je suis pas fan des trucs trop orangés, tu vois. Moi, je suis pas fan des trucs trop clairs, donc. Ah ouais. Donc là, on avait vu ça pour le bureau. Donc c'est du plan de travail en bois chêne brut. Ah, c'est du brut. Oui. Ah, c'est à dire qu'il faudra vernir et tout le bordel. 149,50€. C'est de l'acacia. Oui, il est huilé, c'est de l'acacia. Enfin, je m'en fous moi du bois. Hein. Moi, ce que j'aimais bien, c'est ça, moi. Ça, j'adore. Ah j'adore. Ouais mais quand t'es sur ton bureau ça doit te les râper les bras. Hein. Donc là sinon il y a ceux-là mais ils sont beaucoup plus petits. Là c'est des 160. Après c'est 160 tu vois, enfin après, ça dépend des trucs mais ça là c'est 160. Moi j'aime bien cette plante là, 42€. Ici. Non. Petit ficus. Pas de plante. Oh, il est mignon le petit pot. On n'est pas venu pour ça. Vu, pas. Ah le petit terrarium. Il s'est mis un anti-vol sur le. Bah oui. Donc en fait, j'avais pris ça, celui-là avec ma soeur, il est vachement bien prêt, on a galéré à le monter, hein. Mais il était bien, donc s'il n'y a pas de dressing, après le dressing sera beaucoup moins large que ça, mais ça on peut le régler en fait. Donc la dernière fois on m'avait demandé sur Instagram, ça coûte 179€, c'est celui-ci, il est très bien, enfin il galère à monter mais il est très bien, on a passé 3 heures à le monter, mais celui-ci il était bien, donc celui-ci on va le garder en tête, sinon il y avait celui-là. Donc c'est des rangements basiques avec des tringles. Ça je sais pas combien il coûte, à 59€. Ça celui-là il est bien, 59€ bébé celui-là il est pas cher. Ça c'est vachement bien, tu mets ça en mode comme le truc pour bébé. Tu poses ton carton là, comme ça tu te niques pas le dos. Par contre 70 balles hein, c'est bien je trouve. C'est bien. Ah ça aussi regarde pour porter les machins. Les cartons. C'est combien les cartons? Papier bulle.
29, 50 mètres, on n'a pas besoin d'autant. Bah, ça, c'est bien, c'est ça les couvertures. Ah ouais, couverture. Couverture de déménagement. Ouais. Bon, on vient de... Enfin, on vient de rentrer, non. On est rentré vers 17h, et 17h30, je suis épuisée. Donc bon, je sais pas ce qu'on va faire, mais je pense un peu dormir. Et après, on va attaquer les cartons. Bon, on vous a pas montré ce qu'on a acheté, donc on a acheté du papier bulle pour la vaisselle, tout simplement. On a pris aussi un cutter, on a pris quoi d'autre bébé? De l'enduit de rebouchage, et voilà, on a fait juste un petit tour, on a regardé pour le bureau, mais bon, ça fait quand même cher. On a fait un devis pour une planche qu'on voudrait sur mesure, c'est 400 balles, beaucoup trop cher. Donc voilà, je vais commencer à faire les affiches pour demain, parce que demain on a les clés d'appartement, et j'ai envie de mettre, vous savez, des affiches pour la vente de mon frigo et de ma mezzanine. Bon, je viens de faire l'affiche, voilà à quoi ça ressemble. Annonce pour les futurs locataires, je vends quelques meubles, frigo congélateur, cadre de lit en bois 400€, avec la mezzanine 150 et le matelas. Si vous êtes intéressé, si vous voulez des renseignements, j'ai mis mon mail juste là. Donc voilà, j'ai fait les affiches, j'ai fait aussi mon dossier logement. Donc pour chaque dossier logement, je fais un espèce de dossier où il y a tout à l'intérieur, tous les papiers, etc. Comme ça, je ne perds rien. Donc ça, je vais le mettre. Ça, c'est je l'avais acheté à Action. Donc comme ça, c'est pratique. Je peux mettre plein de petits dossiers, donc c'est pratique. Bon, il est 19h. J'ai mis les anges à la télé. Comme ça, si j'en ai un peu marre des cartons, je regarde les anges. Et j'en ai marre de ce bruit de vent là, au niveau de mes fenêtres, c'est insupportable, donc désolé si vous l'entendez. Donc là je vais commencer à faire les cartons. J'ai mis mon soin Botox sur les cheveux, celui que j'ai acheté sur Beauté Privée. Vous avez été nombreux à me demander mon avis, donc là c'est la première fois que je teste, donc on verra ce que ça donne. Voilà quoi, j'ai pas mal de choses à faire. Je pense que je vais commencer par le meuble TV. Je pense que ça va être bon. Munch, on a des cartons Kleenex, les gars. Ils sont vraiment bien, hein. Regardez-moi ça. Je sais pas comment je vais faire pour le fermer, mais bien, on a des cartons Kleenex. Sauf que bah on peut pas les fermer. À moins que je mette du scotch, mais pour faire les côtés. Mais non, mais écoutez-moi ce vent. En fait, c'est ça qui s'y ferme mal. Donc ça fait du bruit pour rien. Donc je peux même pas le laisser ouvert parce que ça, il y a de l'air de fou qui rentre. Ce bruit, je n'en peux plus. Ça fait depuis que je suis rentrée là. Depuis 17h que ça fait ce bruit là, je n'en peux plus. Donc là j'ai pris un carton Lay's. J'adore, j'ai des cartons de toutes les marques. Comment ça va être simple, genre les cartons Monster Munch, c'est mes bougies les cartons Lay's. C'est ce qu'il y a dans le meuble TV. Enfin, tu... Donc voilà, je vais continuer à faire les cartons. Je ne sais pas si je vais vous filmer ça parce qu'il est vraiment tard et je suis assez fatiguée. La journée elle a été un peu longue pour vous, elle était peut-être un peu courte la vidéo. Mais c'était vraiment long aujourd'hui à Loire-Merlin, on a vraiment... ça a pris vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, je vais trier, de toute façon je mets tout dans mon meuble TV juste là. Et puis j'ai la remise des clés, donc demain je filme deux vidéos, l'appartement tour et le vlog, donc quand j'ai les clés. Donc je vous montrerai ça bien évidemment dans la prochaine vidéo.
Je sais pas si je vais vous filmer encore un petit peu, mais là c'est vraiment Bagdad. Dans l'appartement, là, j'ai même pas de place pour mettre mes cartons. Donc là, on a bien avancé. On a fait le meuble TV. Il y a quand même tout ça de meuble TV. Et on a mis quelques livres aussi. Ensuite, là, c'est la cuisine. Donc là, ça devient Bagdad un peu. J'ai commencé à vider un peu les placards et tout, à mettre sur les meubles, etc. Donc là, j'ai vidé un peu là, il y a toutes les tasses et tout. Là, il y avait des tasses sur les côtés, donc je les ai mises à l'intérieur. Donc je fais un petit tri, mais j'avais déjà fait un tri à l'époque où j'avais déménagé. Donc ça, je vais le donner à ma belle-mère, et ça, je vais le donner peut-être à ma belle-mère si elle le veut. Sinon, je le donnerai à quelqu'un d'autre. C'est des petites tasses et tout, enfin voilà, j'en ai pas vraiment l'utilité. Vous pouvez voir qu'il y a encore le scotch, donc ça fait un an qu'elles sont dans le placard, que je les ai pas utilisées. Donc à partir du moment où ça fait un an que je ne sais pas utiliser, ça me sert à rien. Donc j'ai mis tout le papier bulle, etc. à l'intérieur. Là, je vais le fermer. Et le carton que j'ai, c'est un Lirels. Je ne sais pas ce que c'est. Vous me direz ça dans les commentaires. Je ne connais pas cette marque. Non, c'est T-Rays. Oh, ça me dit toujours rien. Là, c'est vraiment pratique, leur petit carton et tout. Là, c'était vraiment très très bien le format pour les lave-vaisselle, parce qu'il faut pas mettre un gros carton, sinon ça va être trop lourd. Il faut pas mettre aussi un petit carton, parce que sinon tu mets rien dedans en fait. Donc là, le petit repas du soir, c'est des poireaux, de la crème, des champignons et des allumettes fumées. C'est ce que je fais, ce qui est rapide à faire et qui est bon. C'est ma soeur qui m'a montré cette recette là, de toute façon je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs. Et c'est vrai que j'en mange souvent parce que c'est bon et c'est bon pour la santé. Il n'y a pas de mauvaises choses. Les champignons, c'est très très bon pour la santé, il faut beaucoup en manger même. Et après j'ai un peu de bacon pour ajouter un petit peu de salé. Il faut continuer la vaisselle en fait pour jouer un peu, comment dirais-je, pour faire les cartons en fait, pour voir un peu ce qui me reste, etc. Non, en gros, je vais garder pas grand chose, je vais garder genre 3-4 verres et puis basta. Après le reste, les assiettes. Ah là, je vais mettre les assiettes à l'intérieur, je pense. Je vais me garder genre 4 assiettes, ça sera amplement suffisant. Bon, je viens de manger, il est actuellement 22h. Donc voilà, il me reste que ça à faire, à emballer. Là, je vais laisser quelques petits bols. Donc ça, je vais l'emballer demain, ça, je vais l'emballer, même peut-être ce soir, ça aussi. Et j'ai encore ça, encore à emballer. Donc ça va prendre du temps, à moins que je retrouve les petites boîtes. Je crois que c'était là-dedans, les petites boîtes. Donc je vais regarder ça. Là, en attendant, je vais faire la vaisselle. Comme ça, ça va me donner une idée de ce qui me reste en regardant donc à tous les garçons que j'aimais. Enfin, tous les garçons de PS, je t'aime toujours. Donc je vais regarder ça pendant que je vais faire la vaisselle. Peut-être lancer une machine. Et voilà, donc ça, tout ça, je vais laver. Ça, je vais jeter. Parce que c'est soit fêlé, cassé, enfin c'est plus en bon point en fait. Et ça, je vais le garder, ça j'adore. J'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser, mais peut-être que dans le futur appart j'aurai l'occasion. Donc voilà, je vais faire la vaisselle. Et donc je vais vous laisser maintenant. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura, petit ou long, je sais pas, hein, vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce vlog déménagement. C'est le début des vlogs déménagement, donc après ça va être un peu plus hard dans le déménagement. Là, je commence tout juste. Donc, je ne les ai pas trop montré quand je faisais les cartons et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les accélérer avec les cartons et tout. Mais là, franchement, j'avais pas la tête à installer mon trépied, etc. Enfin, tout. Je vous avoue, je suis un peu fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Je suis post-partielle. Là, hier, j'avais mon partiel. J'avais fini. Je suis crevée. Je suis claquée. Et demain, on a une grosse journée qui nous attend. Donc ça va vraiment me stresser. Et comme il y a des chefs qui ne sont pas là, eh bien je vais devoir faire plus d'heures. Donc qui dit plus d'heures dit moins de temps à faire les cartons. Et ensuite la semaine prochaine j'ai plein de contrôles, j'ai plein d'autres contrôles de TD. Et voilà, donc j'ai encore plein de choses à penser. Donc c'est pour ça que j'essaye de ne pas perdre de temps. Et quitte à dormir quelques heures, c'est pas grave. Au moins ça sera fait, ça sera du temps de gagner sur la journée. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste là pour ne pas louper mes vidéos déménagement. N'hésitez pas à aller regarder mes anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.